23 août, malheureusement déjà le dernier jour de notre 10e édition. Nous avons commencé sous chapiteau à cause d'une météo bretonne incertaine comme d'habitude, avec Julian Burdock que nous avons revu en duo avec son copain Gaël qui est toujours assez incroyable avec ses bruits de bouche. Terminer l'après-midi sous chapiteau avec l'américaine Sidla Ellis et les Midnight Preachers. Une voix chaude, une présence scénique dès la première chanson. Et cela nous rappelle, et il ne faut jamais oublier, que ce sont les Afro-Américains qui ont créé ces musiques que nous adorons, le blues, le gospel et le jazz. Puis moi j'étais dans la junior association, alors c'est un peu le rendez-vous familial en fait, puisqu'on se retrouve tous les ans, on est des vieux potes quoi. La musique était bien, l'ambiance, on se retrouve et c'est sympa. Le chapiteau cette année, vendredi soir, un concert phénoménal. Et puis c'est la fin des vacances, donc c'est le top. Il y a la musique déjà, et puis je retrouve les amis, et puis le site et tout. Voilà, il y a un ensemble de choses, donc je m'y plais bien. Super festival. I've never seen a festival like this before. Oui. L'organisation s'est nettement améliorée, on est beaucoup plus zen maintenant. Bon.
Chaque année, c'est différent. Chaque année, il y a des nouveautés et on ne se lasse pas. Donc, c'est important que la chaise se réveille. Et franchement, au niveau qualité, il n'y a pas mieux. Alors, les gobelets, c'est un truc. Au départ, ils étaient très, très fragiles. Hein, on buvait une bière et il suffisait de presser pour que ça casse. Maintenant, c'est des pintes comme ça. Parce que je suis bénévole depuis la création. Pour l'ambiance, parce que c'est vachement sympa et les concerts, c'est diversifié et c'est chouette. Les scènes du château, les artistes qui sont meilleurs chaque année, on a l'impression. Alors, on a toujours des trucs super. On a appris à connaître, à aimer le blues au fil des années. Et puis il y a une très bonne ambiance entre l'équipe qui travaille et on est content de participer à l'organisation d'un festival qui plaît aux gens, qui fait de l'animation dans la chaise. Merci beaucoup et on se retrouve l'année prochaine pour le 10e anniversaire de Festival Blues au Château. À l'année prochaine, ciao ciao ciao.